Mr. Blasio, 62, qu'est-ce qu'on va manger? Soirée mente, belle sa mère. T'as tout beat, t'as tout beat me. Après ta marque, ta marque, ta commande. Soirée, belle sa mère, soirée. Tcha tcha, un amare, soirée. Tchèn de mal, Blasio, 62, canario. Pas de meet me, taxes, teach me. Tchèn de mes ennemis. On va manger des beaux saucissons. Voilà, c'est la petite intro. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo pour vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin je veux dire, au bout d'un moment quand tu regardes la nuit, oula, c'est vrai qu'il y a un mec qui parle comme ça dans le tchaka. Il y a un mec parce que mon coulant comprend rien ce qu'il dit, tu sais, il y a Yawin, c'est Jawed, c'est Yawin, Yawin, bref. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous annoncer une petite bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous fermé vos gueules. Non, je rigole. Aujourd'hui je suis taquin. Aujourd'hui j'ai bien envie de vous m'arrêter ta gueule. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais pour l'instant arrêter mes défis de burger. Non, c'est pas des défis, les trucs de The Burger 78. Pour des raisons personnelles, je pourrais pas vous dire malheureusement. C'est pas une question de santé, hein. Tout va bien, je peux mettre. Tout va bien. Ouais. Je peux vous en faire encore d'autres bruits si vous voulez, hein. C'est pas un souci, tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste que. Mais j'en ferai une fois par semaine peut-être. Peut-être, hein. Ou deux, une fois tous les deux semaines. Ou en un mois j'en ferai peut-être deux. Mais on verra. D'accord. Donc pour l'instant, je fais pas des défis de burger. Je ferai plus des. Comme ça, c'est fini. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va se concocter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, c'est le régime, les frères. Est-ce que, yo, vous avez vu le ventre un peu? Mais c'est pas grave, ça prouve qu'on mange super bien. D'accord. Alors, avant de cuisiner, j'aimerais vous faire montrer un peu le frigo. Certains vont être très étonnés, vont dire ah bon, tu manges ça maintenant? Bah oui. C'est fini, les conneries. Je vais vous faire montrer tout ça, les frères, et puis. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques instants pour vous montrer un peu ce que je mangeais pendant un bon bout de temps, sa mère. Ok, à de suite, les reilles. Comme vous pouvez le constater, des fruits, des légumes, des yaourts, des pommes vertes, des œufs, du blanc de poulet, là-bas, là. J'enlève la pomme, vous le voyez, blanc de poulet, là-bas. Des tomates cerises, là-bas, voilà. Du jus d'orange. Sans sucre, sans rien. C'est des jus d'orange d'un litre pressé. Enfin, pressé, pardon, je suis pressé, s'il vous plaît. Non. Non. Jus d'orange, tu sais, pressé de toi-même. D'accord. Donc, ça, Franprix. Donc, ils avaient un système, Zama, où tu pouvais presser, etc. Et puis, voilà. De temps en temps. Du coca zéro. De temps en temps. Pas tous les jours. Et puis, voilà. Après, ici, de la badoie, etc. Et puis voilà. Donc j'oublie aussi. Ah oui, voilà. J'oublie un petit quelque chose. Hop. Le thon. Avec du saumon aussi. Et du saumon. Du thon. Et le matin, je vais me concocter la bonne confiture orange-citron avec des bonnes petites biscottes. On va manger ça, merde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va se faire cuire des œufs. Te faire cuire. et puis j'aimerais aussi vous dire quelque chose. À de suite, les rayons. Saucisson. J'ai perdu un truc. Attendez deux secondes. Je l'ai trouvé. De l'huile d'olive. On va boire l'huile d'olive pour faire de l'huile d'olive. Donc aujourd'hui, on va se faire cuire des petites omelettes, tranquille. Trois, pas plus que le bord. Et puis, ça sent super bon. Ça fait longtemps, c'est pour vous dire. Hein. Je préfère à la base mettre de l'huile d'olive que le beurre. Enfin, après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc pas trop. Donc voilà. Certains vont me dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il va nous faire avec le saumon? TK, tu vas nous faire quoi avec le saumon? Bah, c'est super simple. Déjà, j'ai cassé mes trois œufs. Voilà, comme ceci.
Le premier. Voilà. Le deuxième. Comme ceci. Très appétissant tout ça. Et le troisième. Voilà. Voilà, ça va bien. Et puis voilà. Donc pour l'instant, on va laisser cuire un peu. Et puis je voulais vous annoncer aussi une petite nouvelle. En ce qui concerne les gagnants des t-shirts. Dans la description, il y aura 15 chaînes. Si vous reconnaissez parmi ces chaînes-là, eh ben c'est vous qui avez gagné. D'accord ? Les 15 gagnants qui vont apparaître sur ma description, va falloir que vous m'envoyez votre adresse. Pour que je puisse justement vous envoyer les colis. C'est-à-dire les t-shirts de Rachid. D'accord ? Avec votre taille. D'accord ? Donc donnez-moi votre adresse en message privé sur YouTube. Sur YouTube, je reprécise bien. Et puis après, bah, je m'occupe du reste, d'accord? Donc tout est dans la description. Et puis voilà, donc on va manger tout ça avec, bien sûr. Ah oui, merde. Avec du pain de mie. On va se faire des sandwichs au pain de mie. Donc c'est super bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on... Hop. Voilà. On prend un pain de mie. Voilà. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. J'ai une sacrée faim. Donc voilà. Donc ça va, c'est pas très consistant. Hein. En sachant qu'à côté, je mangeais des concombres. Donc Mazel Tov. Donc on va un peu assaisonner tout ça, un tout petit peu de poivre, ça donne du goût, et un tout petit peu de sel, voilà comme ceci, pas trop, voilà, c'est cool, voilà, pas plus que le bord, tout simplement, hop, on prend une petite fourchette, comme ceci. Et ben voilà, comme ceci, voilà. Et ce qu'on va faire, les rails, voilà, j'ai éteint le feu. On va prendre des tranches de saumon. Voilà, je sais pas, il y a combien de tranches. Il y en a combien? Deux tranches. Ok, il y a deux tranches. C'est parfait. Voilà. Sachant que le saumon c'est un peu salé, c'est pour ça que j'ai pas trop salé les œufs. Vous comprenez un peu? Malin le TK. Hein. Très très malin. Donc voilà, je mets un par-dessus. Comme ceci. Voilà. Et l'autre. Tranquillement de l'autre côté. Voilà. Je laisse un peu en sachant que j'ai éteint un peu le feu. Donc c'est parfait. Hop, des petits sandwichs à la TK78. C'est très rapide à faire. Et c'est pas très consistant. D'accord? Donc voilà. On se retrouve dans quelques instants, les Rey. Au revoir, les Rey. Donc voilà, on a fini les sandwichs. Donc des bons sandwichs aux œufs et au saumon. D'accord? Avec du concombre. Et ce qu'on va faire, les Rey, c'est qu'on va commencer tout de suite par la dégustation. Ça sent super bon. C'est parti, la semaine là. Vraiment les rails, vraiment, essayez. C'est super bon et c'est pas consistant. Une petite tranche de saumon avec des œufs, du pain complet, ça passe super crème. Avec un Perrier citron vert. C'est tout simplement délicieux. Je kiffe ma race. On tape un bon croc encore. Oh putain. À côté, vous pouvez manger des concombres comme des chips.
Super bon. Considérez ça comme des chips. Tout va bien. C'est super bon. Regardez-moi ça. Un bon petit sandwich là, comme ça, là, bien généreux. Oh man, putain. Après avoir fait ça les reines, ce qu'on va faire. Non. Après avoir fait ça. Oula, mon dieu, excusez-moi. Après avoir fait ça les reines, ce qu'on va faire. Un bon petit dessert. Soit des pêches. Soit des bananes, une pomme, peu importe, un petit fruit. Super bon mon sandwich. C'est vrai que ça vaut pas un quick ou un truc comme ça, mais c'est super bon. Super bon. Mais ça cale vite quand même, hein. Ça cale vite. Je me régale. Essayez les failles, hein. Essayez. On va manger cela. Vous voyez le son qui dépasse. Je n'achèterai plus souvent des... Comment on appelle ça? Du saumon, j'achèterai plus souvent. Super bon. Super, super bon. Ça fait du bien. Pardon, je suis vraiment désolé. C'est KO, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, Big Burger. Ça, c'est des burgers maison, ça. Tellement bon, putain. Super simple à réaliser. Mais c'est super bon, ça. Ça passe vite. Voilà. C'est bon. J'aime vraiment ce goûter arrière salé avec les œufs là. Les reilles. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, les reilles, y'a Bernd.com, et on se dit à demain. Ciao, bye, c'est bien.